Salut tout le monde, hein. Je voulais pas en arriver là, mais bon, je suis bien obligé, donc on se retrouve pour une vidéo coup de gueule, et ce coup de gueule, il est envers Eric Antonique. Donc écoute-moi bien Eric, si c'est ton vrai prénom, je vais pas m'énerver, je vais pas t'insulter, mais plutôt te l'expliquer à l'amiable. Alors pour commencer, je suis pas un booster, libre à toi de choisir quelle voie tu veux choisir, est-ce que Mighty c'est un booster ou c'est pas un booster, comme tu veux, ok? Moi je suis pas contre que tu me critiques, tu me dises plein de trucs comme ça, genre, ouais salaud, t'es qu'un soumis, voilà, car tu m'envoies plein de messages, voilà, ok? Tu veux que tes idées soient proliférées à travers mes abonnés, comme tu veux. Mais là, ce qui m'énerve vraiment, c'est que là, carrément, tu me spammes. Tu deviens complètement lourd, là, t'as le droit de mettre des dislikes, hein. Moi, je m'en tape, hein. Moi, je suis venu sur YouTube pour me faire plaisir, pour faire plaisir aux autres. Et toi, je suis pas venu pour que quelqu'un comme toi vienne complètement me pourrir la vie. Je dis bien pourrir la vie parce que là, t'arrêtes pas de marquer sur la plupart de mes vidéos. Ouais, c'est le booster, t'es qu'un booster, voilà. Voilà. Donc, moi, personnellement, au début, ça m'a pas énervé, mais après, je trouve que ça devient lourd, hein. Tu sais, t'es pas le premier à m'avoir fait chier comme ça. Hein. J'ai aussi eu un petit con qui m'a fait chier comme ça. Donc désolé si j'ai juré. Un petit freluquet comme toi qui est venu me faire chier. Il arrêtait pas de mettre des dislikes. Il arrêtait pas de proliférer des comment on appelle ça? Des insultes raciales envers moi. Voilà. Donc je lui ai dit la première fois, arrête. Il a pas arrêté. Je l'ai bloqué et j'ai supprimé tous ses messages. Voilà, il m'envoie plus de messages. Voilà. Et après, je l'ai débloqué pour voir si il venait encore me faire chier. Il est plus venu me bloquer. Donc, en gros, ça prouve que ce mec a beaucoup plus de maturité que toi en venant arrêter. Pardon, excuse-moi. En étant venu me dire en face qu'il arrêtait de me faire chier. Voilà, et qu'il arrête. Voilà. Donc, t'as compris? Donc, j'espère que tu as compris le message. Hein, donc, je te laisse une dernière chance. Voilà. Tu peux te désabonner de ma chaîne, tu peux ramener qui tu veux qui est du même avis que toi, ils peuvent te désabonner de ma chaîne, m'envoyer plein de dislikes, mais éviter de faire chier le monde, quoi, en mettant plein de commentaires à la noix. Je sais pas, personnellement, hein, t'aurais quand même, la seule chose que t'as fait de bien pour l'instant, c'est de m'expliquer pourquoi tu étais contre moi, voilà, que tu me traitais de booster par message personnel, mais personnellement, hein, si tu continues, tant que tu mettras des messages envers moi qui seront plutôt négatifs, dans l'espace de commentaires publics, je les supprimerai, voilà. Donc là, je te laisse une dernière chance de te rattraper. Tu m'expliques, tu déchaînes sur moi, tu m'expliques pourquoi tu es en colère envers moi. Tu peux déchaîner toute la haine que tu as envers moi, voilà. Tu me le fais par message privé, voilà. Je te réponds, voilà, tout court. Tu dis, ouais, voilà, tu peux mettre t'es qu'un pauvre connard, je te déteste, va bouffer de la merde, voilà. Tu te déchaînes, voilà, t'auras fait ta crise de nerfs, voilà. Et après, moi, là, je te bloque, voilà. Je te bloque. Tu pourras m'envoyer plein de messages que tu veux, tu pourras passer par n'importe qui. Tant que tu pourras passer par n'importe qui, tu pourras créer une nouvelle chaîne YouTube, je la bloquerai à chaque fois, puisque à chaque fois j'en ai marre de me faire insulter ou alors traiter de booster par toi. Hein. Voilà, t'as choisi tes idéaux, t'as choisi tes idéaux, je suis pas contre. Hein. Je t'ai même dit par un message privé que on était en démocratie, que ça me faisait de la peine de supprimer la liberté d'expression. Ok, tu m'as dit t'es qu'un booster, ok, voilà. Mais ensuite t'as continué, donc voilà, t'as fait passer ton message une fois, ça suffit. Faire passer un message. Et ça suffit. Donc là, je te donne jusqu'à, je te donne pas d'heure. Hein, tu m'envoies le message que tu veux. Voilà, tu m'envoies pourquoi tu es contre moi, pourquoi vraiment t'es vraiment vénère contre moi. Voilà, tu peux m'envoyer tous les messages comme je t'ai dit. Hein, voilà. Ensuite, je lis ton message, je te réponds et voilà, terminé. Bye. On clôt l'affaire. Voilà. Ça te plaît pas si vraiment ça te plaît pas. Tu te casses, voilà. Moi, je suis pas venu pour me faire emmerder par quelqu'un comme toi. Je sais pas quel âge tu as. Je sais pas. T'es peut-être un père de famille. T'es peut-être un kikou. T'es peut-être un adolescent de mon âge. Mais je m'en bats les couilles, voilà. Tu fais demi-tour de ma chaîne, tu t'en vas et tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Tu peux mettre des dislikes quand tu veux. Moi, je m'en fous complètement, hein, tant que tu mets pas de commentaires. Hein. Après, hein, bien sûr, hein, bien sûr, hein, je pourrais pas être derrière toi à chaque fois. Hein, tu pourras proliférer tes idées. Hein, je pourrais avoir tout le monde derrière moi. Je m'en fous. Hein, je continuerai à faire mes vidéos. Mais bon, à chaque fois, je supprimerai le message. Bon, allez, sur ce, je te dis au revoir et bonne journée.